Hey, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux moissonneuses cases qui sont juste très très belles, juste magnifiques ces moissonneuses. Donc je vais vous présenter le pack. Donc il y a deux moissonneuses de trois coupes et une remorque pour ranger les coupes. Donc c'est un pack. Et comme toujours le lien sera dans la description tout en bas. Donc je propose tout de suite de démarrer ça. Et les voilà. Elles sont juste énormes. Donc la première est la case 9120 Axial Flow. Qui est une moissonneuse case sur roue. Et j'ai mis une coupe pour Nice. Je vais tout de suite monter dedans. Un petit tour comme ça, elle est juste magnifique. Regardez juste la façon dont ça se replie. Donc, excusez-moi, je me suis trompé de touche. Donc, j'ai d'abord montré l'intérieur. Donc, l'intérieur est aussi super beau. Je vais mettre plein d'écran comme ça. Les commandes sont super, super bien faites. C'est une des rares moissonneuses que je vois aussi belle à l'intérieur. Parce que c'est rare de voir des moissonneuses aussi belles à l'intérieur. Ça, c'est un bon. Donc sinon, donc je vais vous présenter tout de suite les options. Donc la touche V, donc pour baisser la coupe. Donc d'abord, non, la touche, donc la touche point virgule. Je crois pas qu'elle va aller parce qu'elle n'est pas démarrée. Je vais d'abord la démarrer. Donc voilà, elle est démarrée. Donc la touche X, donc ça peut cueillir maïs aussi. La touche L, allumer les phares avant. La touche K, replier donc le tuyau et la trémie. Regardez comme la buse se déplie. C'est juste très très beau. Regardez ça. C'est vraiment très très beau. Donc je pars sur H. Et regardez R spécial, les petites lumières. Donc maintenant, je vous propose tout de suite d'aller la tester. Donc je vais tout de suite aller la tester dans un champ de maïs. Donc elle a une capacité de réservoir de 1996 litres. C'est quand même pas mal. Et donc je vais vous montrer le pack dans moissonneuse. Ah voilà, donc c'est un pack. Donc ici elle coûte, donc celle que je vous présente maintenant elle coûte 190 000 euros. Celle sur chenille que je vais vous présenter elle coûte 210 000. La première coupe, celle qui fait je sais pas 10,7 mètres, elle coûte 10 000 euros. Celle de 6,7 mètres, 7 000. La coupe pour maïs, 7 000 également. Et la petite remorque, 5 000 euros. Donc je vous propose tout de suite de démarrer ça. Je vais mettre en vue intérieure. Tops. C'est parti. Voilà. Vous pouvez constater que ça marche très 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 bien. La machine marche très bien. Super. Alors ici vous avez, si vous appuyez sur la touche 0 de Numpad, vous avez 15. Donc ils mettent ici, comme vous pouvez le constater à droite, il est mis en dessin de maïs, donc ça veut dire ce que vous récoltez. Donc si par exemple vous récoltez du blé ou de l'orge, il sera mis ici le blé ou l'orge. De toute façon ça vous allez le voir tout de suite, parce que je vais vous montrer. Regardez les graines sur le fessier. Voilà. Donc maintenant, je vais tout de suite passer sur l'autre machine, qui est toujours 9120 Axial Flow de chez Case, mais sauf qu'elle surchaîne. Donc c'est ce qui change. Juste le petit défaut, on va dire, de cette machine-là, ce que je trouve pas très beau, mais c'est les chenilles. Regardez, elles sont plus lisses, il n'y a pas de dessin dessus. Juste ça que je trouve pas super beau. Mais à part ça, c'est une très très belle machine. Donc je vais la démarrer. Hop, attendez, voilà, je vais le remettre.
Et regardez un petit peu ici les ventilateurs. Je vais l'actionner et regardez, même les ventilateurs tournent. Donc voilà. Donc ce qui est bien avec cette machine-ci aussi, c'est que... Attendez, regardez, on peut aussi moissonner de l'herbe. Donc vous avez vu, regardez, je vais encore la réactionner. Regardez, regardez, elle coupe l'herbe. Regardez derrière. Voilà. Donc elle coupe aussi l'herbe. Donc il est mis juste ici à droite de l'herbe. Donc maintenant, je vais couper de l'orge. Je vais essayer de l'orge. On va déjà couper de l'herbe. Ça devrait fonctionner. Oui. Donc ici, hop, c'est pas en orge. Voilà, de l'orge. Constatez qu'elle marche très 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 bien. Donc ici c'est la grande coupe que j'ai mis. Donc voilà. Et elle est juste magnifique. Elle va super bien. Donc regardez dans cette mission, ça va très très bien. Moi je suis très content de cette machine. Voilà. Regardez, elle coupe très très bien. Aucune remarque à faire. Moi je trouve qu'elle est vraiment, je vous la conseille. Donc regardez, je vous montre. C'est même des petits andins d'herbe. Ça j'ai jamais vu, c'est une moissonneuse qui moissonnait l'herbe. Donc regardez, je vais vous montrer ici ce que j'ai moissonné. Donc ici il y a déjà un petit peu des andins d'herbe que j'ai moissonné. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, donc je vais vous montrer la petite remorque avec la coupe, avec la petite coupe. Donc voilà. Vous avez vu comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Lâchez-vous sur le commentaire. Abonnez-vous. Donc voilà. Donc bye tout le monde. C'était Olivier Beau.